Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous présente cette émission où nous réfléchissons sur les solutions à apporter à notre République démocratique du Congo, les solutions réelles. Nous sommes un média de réflexion comme vous aviez lu ça sur notre bande passante. Et nous sommes toujours ravis lorsque vous réagissez. Par exemple, la dernière émission, il y a eu beaucoup d'interventions. Beaucoup de gens m'ont encouragé d'aller toujours dans le même sens. Nous ne cesserons jamais de continuer à apporter ce que nous pouvons apporter à la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est celui-là. Même si nous émettons loin de notre pays, nous sommes à Johannesburg, en Afrique du Sud, mais notre cœur bat toujours pour ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous osons croire que la pierre que nous apportons pour que les choses puissent changer, puissent être écoutées, c'est aussi avec votre concours, mes chers amis. Si je suis là, c'est parce que vous m'encouragez. Beaucoup d'entre vous m'encouragent, me donnent un coup de pouce. C'est pour cela que pour votre demande, vous allez voir défiler ici, vous m'aviez demandé de comment est-ce que nous pouvons vous apporter. Je peux vous dire, nous assister. Je peux vous dire déjà que moi, j'ai besoin, c'est que d'abord, dans un premier temps, que vous puissiez vous abonner sur cette chaîne. C'est une chaîne d'élite, ce n'est pas n'importe qui. La matière dont nous donnons ici, c'est une matière dure, Et pour les élites, tout simplement. Donc, ça, c'est le premier point. Si vous pouvez aussi vouloir m'assister, comme vous l'aviez demandé, il y a un compte PayPal là-bas qui, pour les gens qui veulent envoyer quelque chose ou quoi que ce soit. En tout cas, visitez notre compte PayPal. Ça peut nous aider aussi d'acheter une caméra ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a déjà le programme que nous lançons au mois d'avril, peut-être le mois de mai, parce qu'il y a un petit problème financier qui se pose. Et donc, le grand programme sera lancé et nous avons besoin de vos appuis, surtout de partager. Parce que nous avons besoin c'est que cette émission puisse être écoutée par les décideurs. Et ça ne peut arriver que dans leurs oreilles que lorsque vous distribuez, vous partagez, vous vous abonnez, et que nous sommes mieux cotés sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et nous avons aussi commencé à être en direct sur Twitter aussi. Alors, donc, merci beaucoup en tout cas. Vous allez trouver le compte PayPal ici, et puis le numéro de téléphone. Et puis, si vous voulez envoyer quelque chose sur Western Union, vous êtes toujours le bienvenu. Le nom, c'est Mouira Kaindo. Donc, vous pouvez nous appeler comme ça, nous allons vous donner du détail. Bien sûr, je le fais parce que vous l'aviez demandé. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens ont posé la question, Germain, comment est-ce que nous pouvons vous aider? Voilà, donc, nous sommes au niveau où, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer quelque chose. En tout cas, cela devra de votre volonté, parce que vous l'aviez demandé. Alors, aujourd'hui, chers amis, nous allons parler des institutions et des hommes. Comment nous allons prendre, quel sera le poids dans la 4e République entre les institutions et les hommes? Quelle sera la place des hommes et quelle sera la place des institutions? Nous allons les comparer avec ce qui se passe exactement aujourd'hui en République démocratique du Congo. Tokolobela, o bimio soto boyeba, o bolobaka na minokonabino, o bolbimisaka. Nous allons parler de ça et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons corriger ça dans la 4e République. Bien sûr, nous allons donner à la fin, si vous me suivez jusqu'à la fin, nous allons donner le schéma par lequel Félix devrait faire pour que nous puissions vraiment apporter les changements. Et que cela, au lieu de voir le bilan qu'il a fait, ce changement-là pourra peut-être lui donner ces ailes où les Congolais pourront lui dire « Allez-y avec le second mandat ». En tout cas, ça peut lui ouvrir les portes grandement de son second mandat. Alors, comme d'habitude, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC,
Tentative de corruption de l'IGF, Gilles Alinguet y parle. Et puis, ici, à Ituri, l'armée déjoue une nouvelle attaque rebelle à Djougou. On va sur actualité.cd. IFES lance initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale. Situez-vous, trois personnes meurent dans un terrassement d'une parcelle à Bukavu. Congo profond, RDC, c'est quel état de siège apporte de positif au Nord Kivu? Le service gratuit offert par les OCC aux survivants des VSBG sont très limités. On poursuit avec 7 sur 7 sommets. Accord cadre à Addis Abeba, João Lourenço et Museveni déjà à Kinshasa et ils ont désigné leur père comme le... Accord d'Addis Abeba, Félix Tshisekedi désigné par ce père pour présider le mécanisme de suivi régional. On va sur Radio Okapi pour terminer. Beni, la culture de manioc attaquée par les insectes ravageurs depuis 3 mois. Et puis Bounia, au moins 5 morts en 2 mois à la prison de Mambasa. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, l'actualité est prédominée par ce qui se passe en Ukraine et puis toutes ces histoires-là. Donc nous réfléchissons ici sur notre pays et peut-être un jour aussi nous pourrons subir cette histoire avec ce qui se passe à l'est du pays. Donc c'est très mal. Alors, ici j'ai la réflexion d'un ami qui nous a vraiment un peu touché. Il a dit, il nous a donné 2 phrases. L'espoir s'est envolé en République démocratique du Congo avec Fachi. Il dit « Fachi a tombé, a montré ses couleurs et ses limites, sa position par rapport à ses objectifs et ses attentes du peuple, à l'attente du peuple. Il est tombé trop bas. » Alors, Fachi déçoit et ne sait plus quoi faire. Que dire s'il faut, s'il se plaint? Il cherche le bouc émissaire, le pousse sur la tête sans cheveux. Alors, ici, je n'ai pas bien compris. Donc, il est en train de parler de l'échec, bien sûr, de Fachi. Et nous avons causé longuement avec cet ami qui, bien sûr, au début, il supportait, il était vraiment très positif avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en disant que Azamwana Mboka, en tout cas. Et moi, ma réaction était celui-ci. Nous devons supporter Fachi parce que nous, pour l'instant, pour que nous puissions avoir un changement civilisé, nous pensons qu'il n'est que la seule personne qui peut encore apporter le changement. Yende Kakamutu a eu quoi apporter changement civilisé. Comme il a eu le pouvoir d'une façon civilisée, qu'il puisse aussi implémenter un changement au niveau d'une manière civilisée. Tolingi susute keo makambubabe tiba mindu kiba tbazo kufa tout ça makile tangite. Changement au peuple, ils en ont besoin, il faut l'implémenter civilisement, civiliquement, si je peux dire ce mot-là, si vous le permettez. Il faut que ça soit pacifique, il faut que ça soit civilisé, pour montrer que le peuple congolais a évolué. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous avions dit que nous allons parler des hommes et des institutions. Bandeko, bon, yokaki sango a na semaine passée, tout le monde était dans l'engouement. Il y a élection, il y a gouverneur. Donc, sur 26 provinces, il y a 14 provinces qui ont des problèmes dont le gouverneur a été déchu. Il y a aussi le Sud Kivu qui a été exclu sur la liste de ces provinces où on doit choisir de nouveaux gouverneurs. Alors, Bandeko, ce qu'on t'a dit, comment Batou, Bazako Salema, d'abord, il y a eu un couac. Il y a eu un couac, nous on ne veut pas entrer dans ces polémiques, ni à repousser tout ça. Nous voulons justement avoir le gouverneur, c'est qui? Et dans la 4e République, comment on arrivera à être gouverneur? Chemin Kozala Kandengenin. Bon, Lelo Oyo, nous avons, excusez-moi, nous allons, comme toujours, pour que tout le monde puisse se retrouver, puis que nous nous exprimons dans la langue où. Là où nous sentons que Togolobelango bien, nous pensons que Bokoyo Kango. Lelo, ba gouverneur, baza kozala eli, baouti wapi, ba gouverneur wana baouti wapi. Beaucoup de ces gouverneurs là, baouti na ba banani ba
bah, parti politique. Donc les partis politiques vont chercher un peu à se positionner à côté à Batunabango na gouvernora. Dans quel but? But ezanini? Est-ce que ba province na ba gouverneur à ba province kuna? Est-ce que na ba province ezana ba programme ou ezan défini par les assemblées provinciaux? Est-ce que ba assemblée provinciaux wana, est-ce que ça et discutaka budget ya l'état, est-ce que ils ont un programme qui sont tirés sur la réalité? Il y a ba problème au ba province ezan na yango. C'est ça les grandes questions que les gens doivent se poser avant de dire que non mutu o est capable. Est-ce que batu oyo na est-ce que na ba province kuna bayebi quels sont les mécanismes, disons le mécanisme qui critère carrière ya président ya nani ya gouverneur et kozala ndenge nini? Aujourd'hui, comment ça se passe? Ba parti politique baza ko se tient ensemble pour ba choisir Batunabango. Pour quel intérêt? Intérêt à nani? L'intérêt, bien sûr, c'est pour les partis politiques. L'intérêt, c'est pour le président de la République. L'intérêt, c'est pour le maintien au pouvoir du président de la République, qui est Félix Tshisekedi. C'est ça l'intérêt à Batou Baza Kolandakuna. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas quoi que ce soit. Le peuple à la base ne sait pas. Bah, il y a un programme, il y a un programme. Il y a un programme à Kinshasa. Kinshasa, il y a un programme à Kinshasa. Il y a un base. Or, c'est ça qui tue notre pays. Le peuple n'est pas impliqué dans le développement à Mbokana. Le peuple a impliqué. On est en train de nous crier dessus que non, peuple, nous allons faire ceci pour le peuple. Le peuple est devenu spectateur. Bango baza impliqué. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'à la tête du président de la République. Nazako et Sabino, ce qui se passe, et vous connaissez ça. Oh, nous sommes à Kosa le Malelo, ezala na Malembankulu, ezala na Isiro, ezala na Beni, ezala na Maboya. C'est le président de la République qui doit faire. Président de la République, Kinshasa, donc, je parle de l'institution président de la République. Okoyoka na minokwa batu nyoso tout. Ah, et le kozo sale maté, ah, président de la République a échoué. Okoyoka biloko nyoso. Donc, les gouverneurs qui sont élus là-bas sont les représentants du président de la République. Batu nyoso bazo sale la mokonzi. Batu bazo sale la peuple té. C'est ça le problème, c'est ça la différence. Biso à contact pro live tolobaki que il faut to changer ba don wana. C'est ça ba biloko wana ndé ango tozo luka. Changement ezanini. Et il faut ezala te que lisusu batu ba congolais. Le Congo travaille pour un seul homme. Mutu nyoso azolinga kota na gouvernement pour satisfaire nani président de la République. Et vous écoutez ça tous les jours na ba minoko ya ba sénateur, ba député, tous les nions sacrés, tous ces regroupements politiques sont fondés pour supporter le président de la République. Attends, il y a bien planté. Mais attends, il y a bien vision. Attends, il y a bien dégainé ni président communal au Kolobakaka. Nous supportons la vision du président de la République. C'est comme si la vision du président de la République n'est donc tant que beaucoup tourne vision président de la République ezanini. Non, eza union sacrée. Union sacrée ezanini eza vision président de la République. Le peuple ne se retrouve pas là dedans. Peuple a koufanzala, babalabale tongama, corruption ezala, etali moutoute pour l'instant. Parce que l'État n'existe pas. Or, ce qui devrait être fait, c'est que batouba ya kosale la mboka. Être gouverneur, ce n'est pas aller là-bas pour servir le président de la République, ça devra être pour venir exécuter le programme que le peuple t'a donné. Moussala au peuple les a copé ça. C'est pour cela que nous sommes dit ceci. Ah, on a contact pro life. Nous ne supportons jamais le peuple. Nous disons les gens. On ne supporte pas les gens. Tout ça pour que Batouba vende ensemble pour tout élaborer un programme de développement au Yamboka. Programme de développement Yamboka et Kozalande Yenin. Ce n'est pas quelque chose qui doit être défini à Kinshasa. Et ça, Batouba, ça, dans le terrain. Et ça, que nous, le peuple, nous puissions nous mettre d'accord en nous disant que non, Bandeko. Il faut que tout tonga balabala oyo. Pour que tout tonga balabala oyo, il faut que tout le monde s'implique. Nous ne devons plus attendre que Batouba yaka kotonga la biso, même ndako biso toko vanda. L'État na biso toko tonga yango nini? Toko tonga yango na ba militaire. L'État, je parle de l'État, l'administration, l'État congolais.
L'État congolais, ce n'est pas envoyer les représentants du président de la République. Bandeko, oh, toza ko vivre le lo, toza kende mabe. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Tant que toza ko réfléchir na projet pour donner le pouvoir à la base, et là nous avions défini notre projet dans le projet des 145 territoires. Ba territoire, eza dans quel but? C'était dans le but à ce que les territoires, na ba milliers à Batouana, que tout le monde puisse s'engager pour. Ba kota penza na vision à Koloba Keno. Bandeko, tous les lakalisous makambo à Kinshasa te. On nous a trop berné avec cette histoire d'unitarisme où toutes les décisions devraient être prises par Kinshasa. Il est grand temps à ce que nous puissions réfléchir à nous prendre en charge. Bien sûr que nous sommes tous des Congolais, mais nous devons nous prendre en charge, nous devons impliquer tout le monde. Oza la motocycliste, oza la oteka kanunda na balabala, oza la osala kanadouane, oza la nino, oza la kawapi, oza privé, oza na entreprise na yo. Tant oza kofuta mpaku na yo, tu es impliqué na kati ya développement ya mboka. Eza la teke, non, ce qui est loko, ezo salema bien te, ou bien, et loko moko e salemite, bozo kriye kaka président de la République, Kinshasa. De Kinshasa po ayako kontrole gouverneur, e ko senga kaba, bozo mona bino moko, même IGF atale lo, oh IGF e kontrole ba province, e ko salema kate, est-ce que dans les provinces batu bazala kate vraiment? N'avons-nous pas des intellectuels en province? Parce que nous avions pris le pouvoir dans les provinces, il n'y a plus rien. Alors, le gouverneur, il y a le président de la République à Sika. Et le président de la République, il y a union sacrée, pour préparer l'élection en 2023. L'élection, c'est pour que tout le monde soit nani mandat moussous. Donc le but c'est pour que ba gouverneur o ba kozala ya IDP tango ba kozala wana ils vont préparer les élections de 2023 pour supporter la candidature de président de la République. C'est ça qui se passe vraiment. Ce qui tozo yo ka biloko na tozo tala ngo na kati, c'est ça la réalité. Et ça est loko mususu te parce que ces hommes là que nous mettons à la tête de nos provinces, ce ne sont pas des hommes providentiels, ce sont des magiciens, que bakoya puna pona basalela ba province ou basala ba programme ba province. Les discussions qui sont dans les assemblées provinciales vont continuer. Pourquoi? Parce que ba députés provinciaux tant baza comme on a que non. Awa, il fallait province na biso ekende ezo ata moi pas. Ou bien balabala et tongama. Et que tongama kate. Regardez ce qu'ils ont manipulé avec projet à 145 territoires. Nous avions dit que le projet de 145 territoires n'était pas ce qu'il faut aller construire les ponts ou quoi que ce soit. C'était une façon ya koloba. Ba projet wana ya 145 territoires, c'était justement pour rétrocéder le pouvoir à la base, afin que la base puisse réfléchir. Ba réfléchir ni yango awa ekoki ko alléger biso sécurité na biso tokozala yango nini bomoko na biso na kati ya ba territoire ekosale mandenge nini. C'était justement à appeler ce que nous appelions ici les états des lieux de territoire. Pourquoi les territoires? Parce que ba territoire ezaba entité oyo ba tuna kati ya ba territoire wana ba yebani.
nous devrions avoir une nouvelle classe politique après ba état de lié anani ba territoire. Chaque territoire elingi est examiné ba problème na yango na ko faire un draft ya koloba constitution na biso ko ki ko kende nenge nini, parce que na modèle oyo tozo sala constitution na biso eza ko za la respecter te. Souvent la base et la capitale, na capitale, disons, la gouvernement central, nous sommes en contradiction. Ça s'exprime comment? Par le mécontentement, justement, des élus du peuple, na katia ba province. Bazo bunda na po na nini? Pourquoi est-ce qu'on ne s'entend pas? On crie, oh, mouton a coquité, oh, celui-là n'est pas habilité, oh, aïba kimbongo, oh, masala kiboy. Les autres se vont se prendre pour des petits diens en province parce qu'ils sont protégés par la capitale. Regardez ce qui se passe au sud Kivu. Gouverneur Anako Sala Moussala Nini, il va faire quoi, le gouverneur là? Aza en contradiction dans l'assemblée provinciale. Ako Sala Nini, peuple lingi été. Alors, comme le gouvernement central ne veut pas entendre parler du peuple, Bino Bozaba Zoba a réhabilité les sous-président Anani et gouverneur Wana. Donc c'est ça justement le problème que nous ici nous disons, la correction c'est quoi? Pour te corriger Makambo, il n'y a qu'un seul, une seule voix. Une voix en Weza Nini, Eza, président de la République, à prendre courage, à Tiam, à aiguiller Siko Mboka. Na ba objectif mususu, na sens mususu. Sans angweza nini? Sans angweza koloba, il faut qu'il apporte le changement. Ba reforme auto za koloba, et za ba reforme a changer ba touté. Les reformes dont a besoin le pays, c'est cette reforme profonde. Oyo Congolais, dans chaque Congolais koyeba, en tout cas je suis touché, Félix a fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Quoi par exemple? En redonnant le pouvoir à la base, en redonnant le pouvoir au peuple. Ça, c'est ça le changement que le peuple est en train d'attendre. Le peuple à la base veut voir à ce que ezala lisusute que soki libulu balabale tongame mite oh Kinshasa sali biso eloko moko te eloko munine sali mite oh bango batinda biso mbongo te oh president eko sala eloko te bo president ya kota lela biso ba makamu na biso awa president ya kota la boye. Ezala batubala linzala président comme eza faute à président. Tout ça, c'est ça le changement que le peuple veut voir vraiment que non. Mutuna place azali a komi kosala musala oyo esengeli ya sala. Et pour que nous puissions définir porto koma wana, c'est comme ça que nous nous sommes dit. Les états de lieu va permettre à ce que ba consensus d'abord na kati ya ba territoire et ezwamaka. Que les gens qui sont dans ce territoire puissent se connaître. Bah, état de lieu et qu'au découler, la première des actions, ça sera l'identification, afin que de donner les cartes d'identité à tous ceux qui sont sur l'ensemble du territoire. Parce que chaque territoire, ce que tu as dit, tu as un territoire à 400 000. Territoire où tu as 1 million. Territoire où tu as 2 millions. Nous saurons combien la République démocratique du Congo est. Toza combien? Et cela va nous donner vraiment une image à Koloba Keno, to gérer mboka na biso ndenge nini. Tokoyeba, à ce moment-là, lorsque les gens vont se compter, vont s'identifier na kati ya ba territoire, na ba assise wana, deuxième action, vous avez déjà vos cartes, et kozala pona ko renouveler classe politique mobimba. Les gens à la base pourront maintenant définir leur politique selon leurs besoins na chaque territoire. Batuna batuba koyeba, na économie à territoire nabiso, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons promouvoir? Et là, on a dit que parce qu'ils ont le pouvoir. Bakoloba, industrie fulani, oh, bato, oh, bakare minier nabiso, toko gérer bakare minier nabiso, l'autorisation de faire le mine, batuna misala nabango, ko banda ko uta wapi. L'administrateur du territoire sera vraiment une. Donc, à cause de la personnalité, moko ya makasi tellement que, toko yeba. À ce moment-là, nous allons définir aussi Moussala administrateur de territoire à Sengeleni. Ce n'est pas lui qui va commencer à aller à chasser les gens dans les champs ou quoi que ce soit. Il y aura des services autoko définir chaque territoire bakoloba. Awa tozana service autant ni. Tosala kabarenyo na biso, les décisions sont prises comment?
batunini soki muto akangami où est-ce que nous allons l'envoyer kabakasho na biso ezali ndenge nini comme ça na kati ya micro wana na kati ya ba territoire si déjà les solutions sont trouvées ba commerçants ba yebani ba pa ko futa makandenge nini tout ça devra être étudié na kati ya ba administration en territoire wana et que batunyoso tu ba yebi awa nga na futa ka pa ku na ngai mes droits et mes devoirs sont bien définis. Tokoyeba à ce moment-là, nini yango tokoyiko kende nango na province. Batu nini yango tokomema na province. Na kati ya ba province wana, ba province na toyebi keza ba province musoza na ba 4 5 territoires, na ba 5 territoires wana batu batinda misoki 20 20 20 20, assemblée provinciale na biso kozala na 100 personnes par exemple. Et que na 100 personnes wana siko tango tokozwa consensus to lobi ba papier na biso to harmoniser ba texte ya chaque territoire na kati ya ba province yangone mutu ba texte wana to kene nango siko na niveau national où nous allons harmoniser nos textes batu ba koya ba kouta na province wana parce que le territoire environ les gens aux provinces na province wana siko bazwi batu ata soki moitié soki 30 personnes chaque province ba tindi siko bango na assemblée provinciale. Et ces gens-là qui seront envoyés là-bas seront des têtes qui sont là-bas. Têtes hautes, et que non, nous n'envoyons pas les gens là-bas nous n'envoyons pas les gens là-bas pour aller faire la fête ou bien pour aller à la fête. Et ça, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que bien défini na kati ya ba texte tant que nous avons dit que non. Vous allez pour faire A, B, C, D. Na musala nango soki batu ba balabala eza kotongama te tokobenga député te soki toza na probleme ya bilanga tokobenga député te député musala na ekozala défini ce ne sera pas de venir voir oh to mobiliser les lois eza cacophonie député akomi kokende kosali sabato député nde mutu fo apesa kabatu mbongo babilo kwana il faut ici là. Na 4e République, biloko ane koexista kalisu soute. Alors, comment est-ce que nous allons y arriver? Nous avons dit ceci. Nous supportons le président de la République parce que le président de la République, Fatih Lelo, nde muto akoki kozala na pouvoir ya koloba to changer direction. Il en a le pouvoir selon la constitution d'aujourd'hui. Il peut. Au lieu que batu ba beta na kaba coup d'état ou bien ba sala kaba biloko aboye ya non civilisé. Que le président de la République proclame la suspension de cette constitution afin que nous puissions entamer une nouvelle république en 2023. Suspension qu'on dirait jusqu'à constitution qu'on dirait jusqu'à 2023 lorsque nous allons aller aux élections, référendum d'abord et à nouvelle constitution, ou est-ce que découler na ba élection à Sika pour na élire président à Sika, na ko proclamer ba réforme profonde à Mboka na biso. On na kati ya ba réforme on a batu, la population aura vraiment tout le pouvoir na structure mususu ya Sika ya Mboka. Yangona tolobaki le président de la République est la personne la plus qui est la clé. C'est pour cela nous le supportons. Ezapo na eloko mususu te. Nous supportons Félix Tshisekedi parce que nous croyons que c'est à partir de lui qu'il peut y avoir un changement. Il peut proclamer le changement en disant que non, tout suspendre dans nos constitutions. Oyo. Constitution, validité à la constitution jusqu'en 2023. N'a deux ans au Etikali, donc ce so qui. Combien 20 mois au Etikali, Nabiso, tozwa 10 mois, yako solola, yako zalana carte d'identité, yako zalana ba province, ba banani, ba territoire, ezala déjà. Kosolo la likambwa constitution asika bato engager déjà batu ce qui t'ont supprimé déjà constitution na ba action au président fois ça là il faut dissoudre parlement à dissoudre sénat à renvoyer batu nyoso na ba politicien na mutu na kati ya ba territoire na bango. C'est ainsi que biso tolobaki tolobi projet wana 145 territoires il n'y a que soutenir batwana kolobaki non chaque territoire sera doté de 10 millions 10 millions exacte que token de kotonga babalabala ou quoi que ce soit. Les gens qui sont dans les territoires se réuniront tout autour de cet argent en disant comment est-ce que nous pouvons bâtir un nouveau Congo. Réflexion et ananiak sur la constitution toyo kanande ngeni nitoko banda par où nous allons commencer notre développement na kati ya ba territoire na biso mais nani idée principale ezali recensement comment nous allons faire l'identification des personnes eko 10 millions de dollars wana ekozala eloko eko réunir batu
parce qu'il y aura des moyens techniques, il faudrait batwaza la na moi ba moi mbongo ya ko sala ba état de lieu wana. C'est comme ça que nous sommes dit exam bongo te ke no bokolo ba ke no boke ko tonga banani ba po ou bien boke ko sala bo exclure batu mbongo ne foi za la wana po batu ba se réunir ba yoka na comment est-ce que ils vont commencer à gérer les territoires na ba territoire wana tango ko za la gérer. La nouvelle classe politique sera envoyée au niveau des provinces. La province, c'est ce qu'on a place en Bango Pende Moutouba Kozoa. La décision yako tinda batumsusu nanane nanane na l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que toko koma na 2023, ce qui toke vraiment na schéma o malamu, nazo expliqué ango kaka, malembe, tous les jours nous toko zonge la ka, comment est-ce que nous pouvons y arriver. C'est comme cela que nous sommes dit. Bandeko obozali awa, vous êtes des élites parce que ngana tala ka qualité abatu bato baza ko s'abonner et qui, beaucoup de gens lorsqu'ils s'abonnent balobi jamais je me suis abonné, vraiment je suis content de ce que tu es en train de faire, toujours réfléchir malam so ki bino bolo ba nangate mbelelelo nazo ko résister te, mais c'est parce que vous, il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup, je reçois à peu près une affaire de 50 mails par jour. Il y a moins que ça en a courage. C'est pour cela que ngana lobaka, quand vous venez, laissez-nous un message pour que nous puissions avoir ce courage-là. Il y a des gens qui nous suivent. Si vous n'étiez pas là, vraiment, ngana y a des gens à Zalaté. Mais parce que vous m'encouragez, voilà le pourquoi est-ce que nous sommes là. Donc, pour nous aussi ça, le schéma est clair. Il faut que le président de la République ait le courage de vulgariser la 4e République avec une nouvelle constitution où le peuple sera le centre de tout. Le peuple définira qui fera quoi, qu'est-ce que nous ferons. Et cela devrait venir par quoi? Par la convocation des états de lieu de chaque territoire. Tant qu'on dissoudre le Parlement, tant qu'on dissoudre le Sénat, à qui peut continuer quand le gouvernement au même dengue que batuba vandaki, bayokanaki, administration kozalandenge nini, quels sont les schémas, quels sont les procédures pour avoir un gouverneur. Gouverneur Moussala na kozalanini, président na kozalanini, les comités provinciaux. Nous devons nous mettre tous d'accord, tout autour d'une table. Sécurité na biso, armée na biso kozalandenge nini. Alors, ici, je vais terminer en disant que ne rate pas la prochaine émission. Émission Moussousou, or toko lobelasiko sécurité. Comment est-ce que sécurité na biso toko fondé ango dans la 4e République? C'est pour cela. Vous qui êtes ici sur la première fois, bokomo na kamwa cloche moko ezali awa. Cliquez sur cette cloche, abonnez-vous pour que vous ne ratiez pas. Parce que sécurité, c'est comment est-ce que la guerre à l'Est va terminer? Mes chers amis, merci beaucoup encore une fois de plus pour vos soutiens. Compte à PayPal, les awa, déjà, vous pouvez visiter ce compte-là, il n'y a pas de souci. Nenge bino moko bosenga ki, je ne vous force pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont demandé à ce que. Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer financièrement? Vous êtes le bienvenu, alors PayPal les a disponibles. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, encore une fois de plus. Passez une bonne journée pour ceux qui me suivent le matin et bonne soirée pour ceux qui me suivent le soir. Et on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.